Donc, nous allons reprendre la séance. Donc, on salue nos amis hongrois, espagnols qui sont revenus parmi nous. Il y en a encore quelques-uns dans les étages, mais voilà, tout le monde est en train d'arriver. Donc, on retrouve notre grande salle d'hier après-midi, c'est sympathique, sur un sujet évidemment qui intéresse beaucoup les territoires aussi. En tout cas, pour ceux qui ont des centrales nucléaires. Donc, puisque nous allons parler maintenant de la gestion des déchets nucléaires. Les entretiens européens ont organisé l'année dernière leur 16e édition sur ce sujet. Mais on avait créé d'ailleurs les entretiens européens en 2002 sur le sujet, puisque j'étais devenue Madame Gestion des déchets nucléaires en Europe, avec des colloques sur les enjeux scientifiques, après sur les enjeux économiques et sociaux, sur les enjeux financiers, sur les enjeux éthiques. Puis une fois qu'on avait fait un peu tout le tour, on est passé à la renaissance nucléaire jusqu'à Fukushima, où là on est rentré dans les enjeux de la sûreté nucléaire, bien sûr, mais sans lâcher la volonté de développer le nucléaire, car comme je le dis toujours, des risques, il y en a dans toutes les industries, et le nucléaire, avec un petit atome comme ça, vous chauffez la Terre entière, c'est l'avenir. Il ne faut quand même pas tricher. Mais par contre, il faut gérer nos déchets. Alors, je vais laisser la parole à Bernard Boulis. Bernard Boulis, il a été le directeur du cycle du combustible au CEA, donc vous savez, le commissariat de l'énergie atomique en France. Et il a participé très activement à nos travaux l'année dernière. Il m'a aidé aussi dans la préparation de ce colloque. Donc Bernard, c'est à toi. Merci. Merci. Bonjour à tous. Nous allons donc aborder un sujet important et délicat qui fait débat dans de nombreux pays. La gestion des déchets à haute activité et à vie longue. C'est une question qui a vu émerger des solutions qui font consensus parmi les experts, je pense ici au stockage géologique, mais des solutions qui suscitent toujours des questionnements, voire l'opposition d'une partie du public, et ça a contribué assez largement à freiner le déploiement de ces solutions. Et ça permet d'ailleurs aussi à certains d'entretenir l'idée qu'il n'y a pas de solution. L'idée fausse, qu'il n'y a pas de solution. Alors, toutefois, même si le chemin peut paraître très long, on voit aujourd'hui, ici en Europe, des projets qui sont sur le point d'aboutir. C'est notamment le cas ici en Finlande. On devrait voir la mise en service du premier stockage profond de déchets à haute activité à vie longue du monde. Et c'est le cas aussi, nous l'espérons, en France, un peu plus tard, sur un concept un peu différent, des verres au lieu des combustibles usés, de l'argile au lieu du granit. Je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors, nous avons aujourd'hui le privilège de pouvoir écouter des acteurs majeurs de ces projets. Monsieur Pasi Thioma, directeur communication et relations corporelles à Posiva. Monsieur Frédéric Lonneau, directeur du projet CIGEO à l'ANDRA en France. L'ANDRA, l'agence nationale chargée de la gestion des déchets radioactifs. Et monsieur le maire de Euroyaki, monsieur Faisal Lakaniemi. Alors, je vais démarrer avec vous, monsieur Toima. Désolé. I think it works. You speak and it. Toima. Posiva a été créé conjointement par les électriciens TVO et Fortum pour mener les projets de stockage souterrain des combustibles déchargés, notamment des réacteurs OL1 ou OL2. C'est le projet Onkalo qui devrait prochainement être mis en exploitation, l'année prochaine, je crois. Alors, monsieur Toima, pouvez-vous, en quelques dizaines de minutes, nous dire ce que vous retenez du déroulement de ce projet, ses écueils, ce qui a conduit, selon vous, à sa réussite, ce que sont les perspectives? Et peut-être aussi nous rappeler les raisons qui vous ont fait retenir un concept de stockage de combustible usé plutôt que leur retraitement, comme c'est le cas dans d'autres pays qui, comme vous, considèrent le nucléaire comme une option d'avenir. Monsieur. Thank you. It's good to be here and telling the kind of first
world's first deep geological repository story. One correction is that Posiva is not supposed to be doing the final disposal next year. The date has not been decided yet. It will be somewhere in the mid-2020s, maybe 25, 26. The news is that the encapsulation building just started this summer. So there was a prime minister also laying the first brick stone. And it was like a month ago, maybe a little bit more. It was a huge, we had a big party in Eurajoki. The question that why did we choose this deep geological repository and why not recycle, for example, is that why not using the mocks or something like that, is the answer is quite short, that we were researching it in 1970s and we thought it's too expensive. We choose another way. We spent a billion euros so far, we're not turning back. And the other thing is that the Finnish legislation changed in 1994, I think, that we cannot import or export any used nuclear fuel. So we just, for a small country, the best solution is to take care of it. It is the best way to take care of it itself. And deep geological repository is the alternative. And we really believe on it. I have a few slides I could tell you quickly the Posiva's journey, if I may, and then end up the story with the current situation that we'll be doing. But can I have the wire? So I didn't know exactly that. I tried to be short because there might be some slides that I just, you know, go over quite quickly. Here. There. Soon. Just to begin with, I go this quite quickly because the disposal of spent fuel in nuclear is, and Posiva is owned by TVO and Fortum, and they both have operating waste repositories and interim storages at their sites. And then Onkalo will be for those fuels together from Loviisa and from Olkiluoto. Fortum was exporting its fuel until 1996 or something like that to Russia, so there's less. Much less fuel in Loviisa, so it's that's also why Eurajoki is much better place on Olkiluoto, because I think the first fuel is ready to be put to Onkalo from Loviisa somewhere 2035 or something like that. There's a little bit about Posiva. There's mission and vision, but the company was established 1995 at the same time that we were making the decision principle for building new nuclear in Finland. There's something about turnover of 73 million euros 2018 and 19 people working. And also, like I'm here, I'm also a communication manager for TVO and Posiva, we have the support services together. And then, of course, the European Commission wanted every country in Europe who has nuclear power to have some kind of solution what to do with the used nuclear fuel by the end of, I think, 2015. Not all the countries have still not said it, but that's why Posiva Solutions was established, and we're ready to sell our know-how. It's all the information is for sale. I think you can save a lot of money with that. What is good in Olkiluoto? It's in one island, we have all the waste management in one island. We have the spent fuel interim storage, we have the decommissioning waste repository, we have operating waste repository, and then we have this Onkalo area in the beginning, in front of us. So there's no logistics, so it's easy to just to put in the lid bottle and move it 1 kilometer. This is Posiva's way.
the slides go really, really quickly now, but something you can see that we have started it in the 1970s, and then it has gone all the way to the present situation. This is quite actual in Europe, not right now, but we had the site selection program already in 1983 up to 2000. And there was six places in the beginning. And just to be honest, and in my opinion, which is very special in Finland, also in Sweden, that those municipalities, Eurajoki and Loviisa, which have nuclear plants, they were actually competing to have the final disposal site. Same happened in Sweden with Forsmark and Oskarshamn. So the thing is that more people know about nuclear. They are accustomed to our safety culture. They have family members and friends who have worked for the company, so they trust us. So this is the matter of building trust. And there also you have to have right kind of geological bedrock, but then you need to have, you need to be effective, you know, cost efficient with the thing, and then you also need to have the local support. So that's why in the end Eurajoki was chosen to that. So that's really interesting process. We have the mayor of Eurajoki here, so I won't talk too much about that. I leave Vesa this, but Posiva is a kind of corporate citizen in Eurajoki region and also in Finland. This is my job, basically. I want to remark that everybody is an important stakeholder when you talk about nuclear or final disposal. Everybody. There isn't the person who doesn't have an opinion or fear or something like that. So you can't forget anybody. I mean anybody. Some small example, I still have maybe a few minutes. We have started, this is very revolutionary, even in the Finnish industries, that our first CEO, Magnus von Bonsdorf, who started the company in 1960s, he thought that to be open and transparent from the beginning, that's the only way to have nuclear as a success story. And he was very ahead of his time. And we have a long history of and Vesa can tell more about that. Lots of operations and means and fast media, open communication, sponsoring culture. We have TVO nuclear power in the jersey of the local hockey team for 40 years. And because of all that, ratification decision in principle came in the parliament in 2001, so quite early, and this was the result of the voting. The main messages we had, and that's what I'm using even today, is it's always better to have the final disposal than keep the high-level nuclear waste in the ground-level repositories. It's always better there. It's 450 meters in the bedrock, it's in the clay, bentonite clay, it's in the real old blocks, 500 up to 1 kilometer. And a lot of questions is that when the ice age comes, does it come up? No, it's part of the solution that the kind of blocks are stable and they are like 1,900 million year old blocks. If you think about human history, 10,000 years, then 100,000 years, 1 million, 10 million, 100 million, 1,000 millions, they still complete. I mean, from the geological point of view, what's going to break them? It's, and even the used nuclear fuel is, the radiation level is going down all the time. So it's maybe 400, 500 years and it's there. And nuclear industry is the only industry that has the solution that what happens after ice age or something like, even though it's a very hypothetical question. What is in Europe when there's 2 kilometers of ice? There's no Helsinki, there's no Stockholm, there's hardly any London, maybe no Paris left. What have the other industries done? Do they have solution? Where is the Rotterdam Harbor, all the toxic and chemical waste? Where is it? I mean, we have the solution. One of the few industries that can do that. Municipal warning, I won't go that either.
But think about our message. This is quite interesting statistics. I'll quit. Cut short. It has. You can see the years Fukushima, 2011, and you can see 1986, Chernobyl. But even up today, the support for the final disposal, it's getting higher. And in Finland, there's hardly any discussion about is it safe or is it not. People are really satisfied with it. For everybody, the three shafts or three pillars of the success. I would really underline the first one, trust and transparency. It takes years to earn it. It's not something that you can stick the sticker on top of it and say, and now we're safe. If you have the long history, that doesn't change the public opinion. It doesn't change quickly, but you can destroy it in 1 minute. You do have to have independent and trusted authorities like STUK. We are very proud of that. STUK is very, very strict, also to the foreign plant suppliers, but also to everybody. And I mean, from the company point of view, it's very good that the regulator has such a reputation. And then, like I said, people's own long, good experiences, like 41 years producing in Loviisa, maybe 45 years, and with good experience, people trust us. Just to quickly, this is the safe final disposal possible. It's pullets, fuel rods, assemblies, canisters, insert, copper overback, then holes deep in the bedrock and in the bentonite clay, and there it is. And there's no signs. When it's done after 100-120 years, that's there. I mean, there will be no signs, no guarding. It's there, deep in the bedrock. Now we're building above and underground facilities at the same time. Encapsulation plant, first ever in the world. This is summer 2018, it's just a hole. Other way. This is just September 2019. We are building it. It's becoming real. I mean, if somebody says that, if you talk about taxonomy and things like, what is the solution for the final disposal? This is Olkiluoto. Just today, this is like 1 month old picture. It's going to be built. Maybe next 3-4 years, hopefully everything goes smoothly and then it is there. 500 million euro investment with all the elevators and things, equipment to the repository. Well, that's there. And then there's the picture of what it will look like when it's done. All this information is for sale, like I can say. No matter what you're going to do with your final disposal or used fuel, you probably have to encapsulate it. So. Posiva Solutions, our clients. That's it. Thank you. Merci, Monsieur Thuomai. Bravo et bon vent à votre projet. Hein. Les sites d'enfouissement ont aussi besoin de bon vent. Je me tourne vers vous, Monsieur Frédéric Lonneau, je le rappelle, directeur du projet CIGEO en France. Alors, le déploiement d'un site de stockage géologique est long. En France, c'est vraiment un très long chemin. Alors que des orientations assez claires semblaient avoir été arrêtées, suite aux recherches menées dans plusieurs directions, il semble que certains s'interrogent toujours sur la pertinence de l'option du stockage géologique, remettant sur la table d'autres options comme l'entreposage de longue durée qui permettrait d'attendre d'hypothétiques solutions hypothétiquement plus performantes. Le gouvernement français a relancé récemment un nouveau débat public qui porte sur la gestion des déchets nucléaires, amenant peut-être encore complexité et interrogations sur un sujet que l'on pensait déjà tranché. Pouvez-vous nous aider à faire le point, nous donner un état de situation, le stade où en est le projet, et peut-être en anticipant un peu, aborder les défis qui demeurent pour vous, hein, en particulier la question des compétences qui sont à maintenir ou à développer
pour mener au mieux les opérations demain de gestion des déchets nucléaires. Eh bien, merci Bernard. Je vais essayer de répondre à toutes ces interrogations qui se posent effectivement aussi en France. Pas forcément non plus qu'en France. Je pense que tous les pays qui ont besoin à un moment donné ou un autre de gérer leur industrie nucléaire et leur industrie électronucléaire, et donc derrière de gérer les déchets radioactifs de conséquence, ont besoin de toute façon de passer par ces interrogations. Eh bien, je vais essayer de vous dresser un petit peu le tableau tel que nous pouvons le voir en France, effectivement, à l'issue d'un débat public qui vient de se terminer sur la gestion des déchets radioactifs en général, et sur ceux de haute activité, de moyenne activité à vie longue, sur lesquels je vais revenir. Deux petites choses. Permettez-moi d'abord d'excuser l'absence de Pierre-Marie Abadie, le directeur général de l'ANDRA, qui a été retenu. Donc, écoutez, j'ai l'honneur de le représenter. Je vais également essayer de vous rappeler un petit peu ce qu'est l'ANDRA. Nathalie, le slide suivant. L'ANDRA, c'est une agence publique. Elle est rattachée à l'État. Elle est d'ailleurs sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et solidaire, mais également de la recherche et de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, c'est 650 salariés. C'est à la fois une petite ou moyenne entreprise, mais je vais dire qu'elle est grande un petit peu par le savoir, puisque aujourd'hui, ces 650 salariés, ils regroupent des compétences dans trois métiers structurants qui nous sont très propres et qu'on ne trouvera pas de toute façon ailleurs en France. Car ces métiers sont vraiment notre cœur de métier. D'abord, une très très forte composante en recherche et en développement sur tout ce qui concerne de près ou de loin le stockage de déchets radioactifs, qu'ils soient de très faible activité, de faible ou moyenne activité, ou de très très forte activité à vie longue ou à vie courte. Nous avons la chance également de couvrir tout le spectre de la gestion des déchets, puisque nous sommes aussi exploitants de centres de gestion de déchets radioactifs, en surface en l'occurrence. L'un est en Manche, à côté de l'usine de retraitement de La Hague, les autres sont dans l'Aube, dans l'est de la France. Et puis nous sommes aussi concepteurs, développeurs de nouvelles solutions de gestion de déchets, de nouveaux projets, et c'est ce qui va m'amener un petit peu à parler du projet CIGEO. En fait, en France, les déchets, vous le savez, sont classés en plusieurs catégories. On ne va pas essayer de gérer les déchets de haute activité comme on va essayer de gérer les déchets de très faible activité ou de faible ou moyenne activité. On va utiliser des solutions de gestion dites proportionnées aux enjeux. L'enjeu qui va guider un petit peu ma présentation maintenant, c'est l'enjeu qui est un petit peu dans le graphe supérieur de cette présentation. Ce sont les déchets dits de haute activité, qui sont des déchets de conséquence du processus de retraitement des combustibles usés en France, à La Hague, puisque la France a fait ce choix il y a plusieurs dizaines d'années de recycler les combustibles usés qui sortent des centrales nucléaires et également des réacteurs de recherche et d'en faire des déchets radioactifs conditionnés pour être d'abord entreposés et stockés en l'état. Et ces déchets de haute activité et puis leurs conséquences un petit peu les enveloppants que sont les déchets de moyenne activité à vie longue, ils représentent peut-être 3% en volume de tout l'inventaire national en France des déchets radioactifs, mais ils concentrent à peu près 99% de la radioactivité. Ce sont les deux barres vertes de mon graphique. Les autres déchets ont donc des solutions de gestion appropriées. Les déchets de faible et moyenne activité sont aujourd'hui stockés en surface. Et les déchets de très faible activité, eh bien on en a parlé également pendant le débat public qui vient de s'achever en France, doivent-ils tous aller vers un centre unique de gestion en France, dans l'Aube par exemple, ou peuvent-ils être stockés localement, chez les producteurs de déchets, dans leurs installations, ou bien régionalement? Eh bien, je pense qu'on va probablement continuer à débattre. En ce qui concerne les déchets de haute activité, de moyenne activité à vie longue, là par contre, c'est le projet CIGEO, c'est le projet de stockage en couche géologique profonde. C'est plusieurs dizaines d'années de recherche. C'est aujourd'hui un projet qu'on arrive un petit peu à présenter de la manière suivante, sur ce petit slide. La France a fait le choix, en 2006, de stocker en couche géologique de grande profondeur, dans une couche d'argile, en l'occurrence, qui possède les propriétés d'être imperméable. Elle ne laisse pas passer l'eau, en tout cas très très lentement. Elle est confinante, c'est-à-dire même les substances radioactives les plus nocives, en tout cas les plus lourdes, seront à un moment donné confinées dans cette couche d'argile, quel que soit le transport effectué par l'eau dans ce milieu souterrain. Et elle nous permet donc d'assurer une barrière de confinement naturelle et de très haute efficacité sur le très très long terme. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien,
Un certain nombre de nos déchets radioactifs étant déjà produits, mais une grosse autre moitié étant encore à produire par le processus de retraitement à La Hague, eh bien, on va étaler sur plusieurs dizaines d'années, quasiment une centaine d'années, la mise en stockage de cet inventaire de déchets. Et donc, pendant plus de 100 ans, l'installation CIGEO va mettre en stockage, à 500 mètres de profondeur, ces déchets. C'est-à-dire, progressivement, on va construire un réseau souterrain sur une emprise de 15 km². Au final, ça représentera quasiment 240 km, 250 km de galeries et d'alvéoles de stockage. On va stocker tout l'inventaire, qui est aujourd'hui pour moitié fait, pour moitié encore à faire, à peu près 85 000 mètres cubes de déchets. Et les premières estimations financières aujourd'hui ont arrêté le coût de ce projet. Mais alors, sur toute la centaine d'années qui est devant nous, coût d'exploitation compris, coût d'investissement compris, les OPEX plus les CAPEX, de maintenant et d'après, ce qui posait quand même certaines interrogations, et le tout aujourd'hui est évalué à 25 milliards d'euros. Si je me projette un petit peu dans le calendrier à court terme, où nous en sommes, en comparaison par exemple avec nos collègues de Poziva, nous avons fait également, nous, un certain nombre d'études. Le projet CIGEO, lui aussi, il a une longue histoire de recherche et de développement. Nous avons déposé, il y a un peu plus de 4 ans maintenant, sur le bureau de l'autorité de sûreté nucléaire, un dossier d'option de sûreté qui a été examiné, qui a été instruit, pour lequel l'autorité de sûreté nucléaire nous a donné un avis, nous donne rendez-vous dans un peu plus d'un an, fin 2020, pour déposer un dossier d'autorisation de création d'installations nucléaires. Préalablement, on va essayer de dissocier les flux d'autorisation administrative nucléaire pour ce projet du flux d'autorisation administrative un petit peu plus réglementaire, puisque nous allons nous installer sur un site rural, en l'occurrence, là où 500 mètres en dessous, il y a une très très bonne couche d'argile en France, et nous allons essayer d'obtenir, les unes après les autres, toutes les décisions administratives qui sont nécessaires en France pour pouvoir commencer à aménager un site, voire même commencer à édifier les premières constructions. Ce dossier-là, il est quasiment ficelé, il va sortir dans quelques semaines. Nous allons le déposer sur le bureau des administrations, du préfet, de notre ministère, etc., tout début de l'année prochaine. Lui aussi, il va être instruit, c'est-à-dire qu'il va donner lieu aux premières enquêtes publiques qui vont accompagner ce projet. Nous sortons donc des débats publics en France, le débat public sur la politique de programmation de l'énergie, nous sortons, qui a eu lieu en 2018, nous sortons d'un débat public sur la gestion des déchets radioactifs, le débat sur le PNGNR, le plan de gestion des matières et déchets radioactifs en France. Bien, nous rentrerons dans les enquêtes publiques de CIGEO. Des enquêtes publiques de CIGEO, il y en aura un certain nombre. La première, nous l'attendons début d'année, en fin d'année prochaine, à l'automne 2020, mais il y en aura assurément des suivantes, celles qui accompagneront la demande d'autorisation de création nucléaire et probablement tout un tas d'autres autorisations. La vie de CIGEO ne sera pas un long fleuve tranquille. En tout cas, au bout des premières autorisations, bien nous envisageons de construire dans quelques années les deux zones sur lesquelles l'installation va se mettre en surface. Par contre, nous ne serons autorisés à creuser et à commencer l'installation souterraine qu'à l'obtention d'un décret d'autorisation de création, allez, on va dire d'ici 4 ou 5 ans, à l'horizon 2023-2024. Et commencera une première phase de travaux, la construction des premiers ouvrages pour l'installation CIGEO, qui durera à peu près une dizaine d'années. Donc nous envisageons, au milieu des années 2035, de demander l'autorisation de mise en service d'installation CIGEO pour y stocker les premiers colis de déchets, haute activité et moyenne activité à vie longue. Et sur la centaine d'années qui va suivre, l'installation CIGEO va continuer à se déployer progressivement d'étape en étape va permettre de stocker progressivement tout l'inventaire de déchets qui est déjà en attente de solutions en entreposage aujourd'hui et bien évidemment tous ceux qui sont encore à faire dans la centaine d'années qui va suivre. À l'horizon 2150, il faudra fermer ce centre de stockage puisque le fonctionnement et le confinement de la couche d'argile ne fonctionnent que si elle est refermée de manière étanche, quasiment aussi